Aïe, 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 salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va plus que bien, c'est Mister B-Boy 45, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 0, parce que nous sommes sur la démo de la prochaine aventure, horrifique Resident Evil 2, et j'en frissonne d'avance, vous connaissez mon amour pour Resident Evil, et là, waouh, le remake du 2, un de mes opus préféré, et quand je dis remake, c'est pas qu'un peu mon neveu comme on dit dans le milieu, sorti à la base sur PlayStation 1 et Nintendo 64, vous vous doutez bien que ils ont dû refaire l'intégralité du jeu, l'intégralité aussi du gameplay, et tutti quanti, les amis, je veux pour cet épisode 0, je ne vous le demanderai pas des millions de fois, vous le savez, vous me connaissez, un maximum de likes, je veux qu'on rentre dans les tendances, je veux qu'on rentre dans les fucking tendances. Vous me demandez depuis des mois, c'est quand la prochaine aventure horrifique? Et elle est là, elle arrive plus que quelques jours maintenant. Nous sommes sur une démo qui s'appelle One Shot. Nous avons que 30 minutes pour tenter de la finir et débloquer la vidéo. Et si jamais on meurt, c'est terminé. 30 minutes pour découvrir un maximum de ce jeu que l'on va faire évidemment au complet sur la chaîne. Bombardez les likes s'il vous plaît. Et si vous êtes suffisamment nombreux à attendre cette aventure, tout comme moi, je peux vous assurer qu'il y aura des cadeaux lors de l'épisode 1. Allez, c'est parti, je frissonne. J'en peux plus là, j'en peux plus, il faut qu'on soit dedans, il faut qu'on soit dedans. Par contre, petite déception déjà, je tiens à le dire, il n'y a pas la voix qui dit Resident Evil à l'ancienne, et ça, ça me fait mal au cœur. Mais bon, après, on est sur un modèle, bien évidemment, il y a beaucoup plus de monde, l'équipe a été plus grande que Resident Evil 7, donc ils ont été plus nombreux à travailler sur ce remake. Les gars, franchement, c'est vraiment, c'est mon jeu de cœur, je l'ai encore sur PlayStation 1, en bon état, même en très bon état, je l'ai sur GameCube, parce qu'il est ressorti après sur GameCube. Là, les gars, on tient dans les mains la prochaine aventure horrifique. Et quel plaisir, quel plaisir. C'est parti, on y va, on se lance directement dedans. Il se peut que la démo diffère du jeu final. Cette démo n'est jouable que pendant 30 minutes. Vous devez être en ligne pour jouer à cette démo. Elle s'appelle donc One Shot, comme je vous disais tout à l'heure. On ne peut la faire qu'une seule fois. Évidemment, il y a des petits subterfuges, tu vois ce que je veux dire. Tu changes de compte, tu te connectes et puis tu refais la démo, c'est pas un problème. Mais on va jouer le jeu, on va la faire qu'une seule fois. J'ai pas envie de plus me spoiler. Vraiment, on va totalement jouer le jeu. C'est la première fois, je peux vous assurer, qu'on va être dessus. C'est parti, on est sur PlayStation 4 Pro. La vidéo est en 2K, 60 FPS, régalez-vous. En voulant faire une courte pause dans une station-service aux abords de la ville, Leon S. Kennedy, jeune recrue de la police de Raccoon City, était loin d'imaginer qu'il se retrouvait au beau milieu d'une marée de zombies. Accompagné de Claire Redfield, dont il vient de faire la rencontre, Leon roule jusqu'à Raccoon City à bord d'un véhicule de police. Mais un accident vient à séparer les deux compagnons d'infortune. Se frayant un chemin parmi les dangers qui l'entourent, Leon parvient à rejoindre le commissariat de la ville. Est-il en sécurité pour autant? Alors je rappelle que il n'y a pas de cinématique, il n'y a rien. Dans le jeu final, il y aura des cinématiques pour vous expliquer tout ça. D'ailleurs, on jouera un petit peu dans la ville. Je ne vous le spoil pas. Pour tous ceux qui ont fait Resident Evil 2 à l'ancienne. Là, c'est vraiment parce que c'est la démo. C'est parti, on a 30 fucking minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok. Ah, doublage FR! Incroyable. Ok, ok, combiné, pas de soucis. Là, on a la save. Qu'est-ce qu'on a là? RPD, forcément, c'est l'ordinateur central. Oh, le jeu est beau. Le jeu est beau. Ils ont utilisé le même moteur. Il y a forcément quelqu'un ici. Ok, par contre, on mettra les voix en anglais, je pense. Ah, ok, pour les voix. Bah tiens, votez, c'est le moment. Ok, il y a donc bien quelqu'un dans la cam 4. David, Marvin, vous m'entendez? On a un moyen de sortir, tout est là-dedans. Mais là, mais tire! Merde! Envoyez des renforts dans le couloir est. Couloir est. Notez bien. Toujours les cartes, oh putain. Il faut que j'aille l'aider. On va y aller, bien sûr qu'on va y aller. 30 minutes pour terminer, c'est terrible. Hein. C'est terrible, on joue le jeu, vraiment, j'ai toujours pas joué au jeu. Ah, le système de coffre à Resident Evil 7. Enfin, en tout cas, c'est le même coffre que Resident Evil 7. Ou aux anciens Resident Evil, il y avait aussi, bien évidemment, dans les tout premiers, un coffre. Courir ses joysticks. Plutôt très très fluide et plutôt très plaisant. Niveau maniabilité, on est bon, c'est plus du FPS. Ah, la célèbre énigme, il fallait récupérer, évidemment, les trois.
Les trois écussons, on va les appeler comme ça, les gars, on s'en fout. On n'est pas au détail près. Couloir de l'Est, on va essayer de bombarder. Je ne sais pas combien de temps en ligne droite il faut pour finir la game. Salope ! Pardon, excusez-moi. C'est le stress. J'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc pour l'instant, bon, niveau ambiance, on est dedans. C'est Resident Evil 2, c'est le même commissariat. Il n'y a pas de souci, mais apparemment, on risque de frissonner très souvent. Ce qui risque d'y avoir des choses très sales. Et beaucoup de choses ont été modifiées. Donc ça devrait le faire. Regardez. Comme Resident Evil 7, quasi même boîte et tout. Bon là, il faudra un couteau. Chose que je n'ai pas. C'est par ici. Chose que je n'ai pas parce qu'il faut la clé de pique. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Attends. Ici, il y avait quelque chose à faire. Ok. Chose que je n'ai pas non plus. Le code. On va bombarder. Là, va falloir tout fouiller, les gars. Va falloir faire le tour une trentaine de fois s'il faut. Toujours pas la clé pique. Donc, aucun intérêt. Je suis déjà Keblo. Ok. On va prendre les munes. Évidemment. C'est terrible, ça. Attends, je suis totalement débile. Normalement, il y a une porte en bas. J'ai l'impression de ne pas l'avoir vue. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Normalement, il y a totalement une porte. Bougez pas. Hein. Bougez pas, je suis à deux doigts de bouillir déjà. Et moi, je bouille très vite. Ok, on va tout fouiller. Attends, je suis plus débile qu'un autre ou quoi? Attendez. Ok. C'est la porte en haut. Mais normalement, elle doit s'ouvrir. Ok. C'est totalement la porte d'en haut. Mais pourquoi s'ouvre... Ah, mais non. Oh, le débile. Il c'est le débile. Allez, go! On a déjà perdu pas mal de temps. Beaucoup trop de temps. Ok, on y va. On se plonge dans l'horreur. Ah! Ok. On va tout fouiller. Alors évidemment, là, c'est la démo. Il faudra un fusible que je n'ai pas. C'est la démo, donc... On va essayer de speeder. Mais je peux vous... C'est quoi ces bruits, frérot? Faudrait rajouter un petit peu d'huile. Comment ça, ça va aller, cousin? Ça va... Y a... Non, ça va pas y aller. Ok. Oh, putain. Ok. On va faire les choses en ordre. Voilà. Ok. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu peur en tournant la caméra. Je sais pas, j'ai eu un spasme. Bon sang. Ouvrez-moi! Oh putain. Vite! Ok. Ouvrez-moi! Ouvrez cette putain de porte! J'arrive, mon gros. J'arrive, mon gros! Je vais vous aider! Aide-moi! Putain! Donnez votre main! Je vous tiens! Votre main, allez! Tenez-vous! Elle dit pas ça devant lui! Vache, il a mis la dalle! Le détail. On est bon sur les organes. Carnet d'un policier. Très bien, tournez les pages. Ok. Donc ça, c'est pour s'évader. La couronne, le lion qui mange... Une brebis, n'est-ce pas? Une femme qui joue de la harpe, ainsi qu'une autre licorne à droite, et un oiseau. Très bien. Monsieur, retournez dans le hall. Ah! Putain, pardon. Principal. Monsieur? Ah!
putain! Je voulais lui ouvrir la porte! C'est plus ce que c'était! Ok. Ah! Putain! Non, non, mais là, les gars. Aïe! Ah! Ah! Non, mais wesh, les gosses! C'est beau, quoi? Ferme-la. Putain de merde. Ferme-la, je te dis. Il y a une faute balle dans la tête! C'est bon. Putain, j'ai plus de balles quasi, c'est terrible. On a quoi là? Ah, on y va pas. Ok. On était passé par là. Merde! Ils sont partout! Ok. Ok. Ça, ça va. On va essayer de maîtriser. Ça, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à GTS 4. Vous êtes morts, messieurs? Je sais pas, je me raccroche à la vie. Ok, on va passer par ici. Allez! Vite. Salut, mon pote! Oh non. Oh putain, merde! Ah oui, il a dit la même chose que moi! Attention! Je m'en occupe! Ah oui! Chacun ses méthodes. T'es en sécurité. Pour l'instant. Merci. Marvin Brana. Léon Kennedy. Il y avait un autre officier, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Hé. Hey. Je suis sûr que t'as fait ce que t'as pu, Léon. On sait ce qui a causé tout ça? Aucune idée. Mais franchement, tout ce que tu dois savoir, c'est que cet endroit te bouffera tout cru si tu fais pas attention. Je devais commencer la semaine dernière, mais on m'a dit de ne pas venir. J'aurais aimé être là plus tôt. T'es là maintenant, c'est tout ce qui compte. Lieutenant, je suis prêt. J'espère que tu trouveras un moyen de sortir d'ici. L'officier que t'as vu tout à l'heure, Elliot. Il pensait que ce passage secret ferait l'affaire. Tant mieux. On pourra vous amener à l'hôpital. Non, non, il y a plus important que moi. Lieutenant, je peux pas vous laisser là. Ceci est un ordre, jeune homme. Tu dois d'abord sauver ta peau. J'aimerais venir avec toi, mais ça te ralentirait. Tiens. Allez, prends-le. Si je fais ça... C'est bon, arrête. Fais pas la même erreur que moi. Si tu croises d'autres de ces choses, uniforme ou pas, tu dois pas hésiter. Tu les tues, ou tu cours. Compris? Compris. Couteau de combat, votez sur la vidéo si vous voulez les sous-titres français, bien évidemment, mais surtout les voix anglaises ou les voix françaises, parce que les voix françaises, ça me fait un petit peu bizarre. Donc, n'hésitez pas à voter. C'est bon, j'ai un couteau la famille, ça fait plaisir. Ça, c'est fait. Trouver les trois médaillons. On n'arrivera jamais à les trouver. Attends, très clairement. On va essayer de cutter ça très très vite. Ça risque, ça me paraît très compliqué. Ça me paraît très compliqué. J'ai déjà pris une petite morsure là, la femme. C'est comme ça. C'est comme ça, ça régale. C'est pas comme ça que j'imaginais mes premiers joueurs. J'adore les Américains. J'aurais jamais dû venir ici. Je sais que j'aurais dû prendre mes vacances. Ok, on a. Ouais, 3 balles, les gars. Putain, sérieux, plus crevard t'as pas. Une plante, mon pote. Bah ouais, on va pouvoir se soigner. Ok. On est parti, on trace. Ah putain, c'est vrai qu'il n'y a pas les transitions quand on ouvre une porte. Lui, il est bien suspect. Ah, t'as de la chance, Brandon. Ok. 3 médaillons en 30 minutes, impossible. Ouais, ça fait
Vas-y, niveau détail, hein, balance, hein. C'est quoi? Oh, une boîte de conserve. Je vois pas qu'est-ce qui peut être plus... Ah, qu'une boîte de conserve qui tombe. Alors, je rappelle que j'ai vu aucune vidéo, hein, sur le jeu. Ça veut dire que si je m'affole, c'est que je ne l'ai juste jamais fait. Je suis ok, les gars. Je me suis vraiment pas spoilé. Alors, hein, voilà. Vous vous doutez bien ce qui m'attend. Ok, keep out, forcément. Normalement, sur une fenêtre... Voilà, c'est sûr. Voilà. Je pense qu'il est mort. Ah oui, d'accord. Ah, wesh. Hop. Mais d'où tu sors de là? Tu meurs jamais ou quoi? Ferme-la. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah putain, tu récupères ton... Oh, trop bien. Une fois le couteau planté, faut le récupérer. Ok. Attends, pour passer par la fenêtre, il me faut quoi, frère? Ah putain, le couteau, il a un... Il a un système d'usure. Ok. Pas mal de choses ont effectivement changé. Tu te doutes bien qu'il n'y avait pas tout cela sur PS. Ah, je me souviens de cette salle. Allez, mon pote, carte d'accès. Ça, c'est fait. Ok, on peut pas prendre une petite boisson énergisante. Rapport d'événement. Le 25 septembre, c'est la merde. Le commissariat est converti à l'abri temporaire. Alors, mettez pause. Voilà, hop. Pas de temps à perdre avec ces conneries. On lira ça dans le jeu complet, évidemment. Et le plan du comico, ça, c'est plutôt une bonne chose. La carte est utile non seulement pour se repérer, mais aussi pour conserver une trace des points d'intérêt et des objets non ramassés. Ça, c'est plutôt cool. Parce qu'à l'époque, c'était complicado. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Il se passe des choses ici. Pas souvenir qu'il y avait ça sur PlayStation 1. Ok. Je m'en souviens maintenant. Si. Ça va nous permettre d'aller dans la pièce d'à côté. Alors, il y a pas mal de choses qui ont changé. Et puis surtout... On va pouvoir faire l'aventure avec Claire Redfield. Voilà, Adep. Là, il n'y a rien derrière. Si, mon pote. Allez, on combine. 2 balles, c'est pas mal. Il m'en a fallu 3 pour le tuer. Quel plaisir de revenir ici. C'est dommage que ce plaisir, je puisse pas vraiment l'apprécier. À cause, évidemment, du temps imparti, je dois faire le plus de choses en 30 minutes. Je pense pas qu'on va réussir à déverrouiller la vidéo. Sachant que c'est vraiment la première fois que je le fais. Je me souviens de cette pièce. Ok. Je me souviens de cette pièce aussi. Ok. Ah, c'est très chiant. Oh, d'accord. Oh putain, 103. On a pas mal d'objets. 106. On a une pile, frérot. 109. Ok. On doit tout ouvrir. Ça me paraît bien trop fondant croquant. Ok. Allez. Ok. On va combiner évidemment pour gagner de la place. Putain, 30 minutes, ça me paraît trop juste. On a des cartouches, mais ça sert à rien. On n'a pas de pompe. Dans cette démo du mois, je pense. On a une sacoche 203. Ok, je vous laisse lire évidemment. Quoi? Oh, ça passe! La vache. Vas-y, viens. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ok. Oh putain, bah ouais, il manque des touches. Ok, 102, 103, allez hop. On va tout ouvrir, bah les couilles. Hein. Bah oui, c'est clair. Il manque aussi des touches, je crois, hein. 106. Bon, bah on peut faire que la 106. Super, super. Allez, 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 allez. Qu'est-ce qu'on a là? C'est la pile. Voilà, mon pote. C'est pas du tout, c'est une pellicule, putain. Une fucking pellicule.
Ok. Voilà. Vas-y, dégage. Ouh, voilà. Là, tu commences à me plaire. Ok. Ok. On va reload. T'as la jouabilité impeccable. Le gameplay, il fait rêver. Bon. C'est tout ce qu'on peut avoir. Yo les frérots. Ok, c'est totalement fermé. On devait aller là. Et là-haut, il y avait quoi? Ouh. On ira un petit peu plus tard, les potes. Hein. Yo. Ok. Poudre noire. Eh ben. Herbe, poudre. Usage de la poudre noire. Munition pour pistolet. Ah, on peut... Ok. Ok. Très bien, très bien. Poudre noire x2. En combinant, ça fait des balles de pistolet. Ils ont gardé ce système de combinaison. Hop, ça c'est plutôt cool. On prend clairement. On va aller fouiller ici. J'aurai jamais le temps de trouver les trois. Ok, le coffre. Ah, j'ai plus la combinaison par contre. Ça c'est terrible. Je sais qu'on trouvait ça dans une note. Une note qui était... Hop, allez, allez. Rapport d'opération. Mettez pause évidemment à chaque fois. Bon, vous savez quoi? Pour le bien, je mettrai... Oh putain. Très bien. Entends-moi ta grande gueule. Ok. What? Ok, là c'est pour déverrouiller. Ah bah oui, mais c'est pour déverrouiller de l'autre côté. On est déjà venu ici les potes. Hein. On s'en fout, on trace. En gros, j'avais rien à faire là, clairement. Bordel. Ok. Voilà. Je préfère garantir. Garantir le move. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, on va combiner calmement. Voilà, je l'utiliserai à l'avenir. On a un mélange. On a une fucking planche en bois. Ici, je me souviens, il y avait de quoi save. Vertu des plantes. Bon, ça on connaît. On peut pas save, ça sert à rien. Plaqué dans le casier, ça sert à rien. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Votre inventaire est plein. C'est moins beau ça. Ok, poudre noire. Non, pellicule utilisée. Photo commémorative. Très bien. Très belle photo qu'on a là. Très très belle photo qu'on a là. On a quoi? Les pellicules contiennent des preuves, ne les laissez pas traîner. Oh. Ensuite. Ok, ça, putain, j'aurais dû garder la plante verte. Je le savais. Ok, déposer. On n'aura peut-être pas besoin de créer pendant cette démo. C'est fait, on peut tracer. Ouais, je prends mon temps, les gars, parce que j'ai vraiment rien fait et rien vu. Des vidéos, et il y a 2-3 petites choses qui diffèrent déjà pas mal. Bonjour mademoiselle, monsieur peut-être. Ok. Ah. Ok. Merde. Ah, pourquoi tu dis merde? On l'a tué normalement. Ah, ça c'est... Ça, oui, merde, je commence à comprendre. Ok, on trace. En vrai, on n'était pas obligé de le tuer. What? Ah, putain, le con. Débile, lui, hein. Ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.
Ok, de toute évidence, faut fermer la valve. Et je n'en ai pas. Ok. On aurait peut-être dû lire les notes, oui, n'est-ce pas? Ah. Donc plus tu attends, plus ta visée se rétracte. Ce qui est plutôt pas mal. Ça me rappelle un petit peu Resident Evil Outbreak. Avec la spécialité du flic. Ok, on va monter encore. On a visité pas mal du commissariat déjà. Bon, il reste pas mal de parties. Hein. On est loin non plus de tout avoir. Voilà, deux balles je prends. What? Wesh, y'a quelqu'un là? Comment c'est possible? Selon toute logique... Ah ouais, non, vous êtes chiant là. Selon toute fucking logique, s'il y a une ombre ici... Bah elle est projetée de là-bas. Ah putain, les cons! Ok... Allez! Ouais. Allez, c'est chiant. Ok. Ne peuvent pas être récupérés. En temps normal, j'aurais fait un aller-retour, mais là, on peut pas se le permettre. Oh putain. C'était quoi ça? Peupon! Attends, j'essaye de voir s'il y a le demi-tour rapide. Aux survivants éventuels! Lickers, ils sont complètement aveugles, mais ils compensent grâce à leur ouïe très développée. D'accord. Tant que vous ne courez pas partout comme un abruti en tirant sur tout ce qui bouge, vous devriez vous en sortir. Avec un peu de chance. Quoi qu'il en soit, avancez aussi lentement que ma grand-mère quand vous passez à côté d'eux. Voilà, c'était donc bien les Lickers. Aucun souci là-dessus. On est donc formel. Lickers, où es-tu ? Je peux pas, arrêtez vos conneries, ça devient chiant. Frérot, je sais même pas à quoi ça sert. Ah, d'accord. Ça sert à barricader les fenêtres. Ok, très très bon à savoir ça. Très très bon à savoir. La bibliothèque. Une sacoche, voilà mon pote. Griffonnage de quelqu'un. D'accord. C4, tu peux pas faire sauter. C'est pas marrant, c'est trop rapide. Ok. On va récupérer derrière ce qu'on avait. Ah! J'étais sûr, ça! C'était tellement évident! Ok. Deux barricades, on peut les cumuler. Allez, de la poudre noire, on en a jamais trop. On y retourne. Tu l'as tombé cette fois? Non, cette fois-ci, c'est pas encore la bonne. Oh, la jouabilité impeccable, hein, vraiment. Ok, ça sert à rien, j'ai pas de quoi l'allumer. Encore des balles, 8 balles. Damn. Okay, on va passer par ici, yo frérot. Bonjour! Léon, c'est Marvin. Il faut que tu reviennes immédiatement. Tout va bien, Marvin? Je veux te montrer quelque chose. C'est important. Compris. J'arrive tout de suite. Ok. On fait marche arrière. Et tu sais quoi? J'ai des couilles. Salut! Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ah. Fort embêtant. Ok, excusez-moi. On va aller voir le frérot. C'est peut-être une vidéo que tu veux me montrer, non? Je crois que j'ai plus beaucoup le temps. Faut que je me dépêche. Je crois que j'ai quasi plus le temps. Je pense que c'est la vidéo qu'il veut me montrer, non? Je crois que c'est la vidéo. Allez! Fais-moi rêver! Je crois qu'on a fini la démo! Approche. Regarde. C'est elle. Ah non, pas du tout. Elle s'en est sortie. C'est Claire Redfield. Oh, tu la connais? Ouais, elle s'appelle Claire. On est arrivés ici ensemble.
Tu peux accéder à cette cour via l'étage supérieur, côté est. Compris. Merci, lieutenant. Ok. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Il fallait me laisser ! Temps de complétion, 21 minutes. Zéro continué. C'est normal ? On a réussi ? Qu'est-ce qui se passe ? Montre-moi cette vidéo. Montre-moi cette vidéo ! Je vais bouillir ! Voilà ! Voilà mon pote ! I want to find out what's happening here. She's the one at Umbrella responsible for unleashing the virus. Seems to be evolving much faster than expected. You gotta be kidding me. God only knows what's down here. What the hell? It'll be all over soon. Let me go! I'll get you, you fucker! Ada! Sherry, I'm coming! I'm not handing over anything! Oh, Jesus Christ. Who's that? You don't know what you're up against. The whole place is coming down. That's a pretty damn good idea. Oh là 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 là, j'ai tellement hâte! Rendez-vous le 24! Ça va être fou. Hunk from Alpha Team. Man, I thought you were all wiped out. Ah, peut-être un mode spécial avec Hunk? Ah, Shindo. What? 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 Ok! On a débloqué les vidéos. N'oubliez pas un maximum de likes! C'est bientôt, c'est dans 10 jours. À bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.